которые находятся... It's very dangerous. Которые пришли... В первую очередь может повториться. Fuck LGBT. <laughs> who beat them who beat me who beat me who me russia is really dangerous and terrorist country Bonjour, c'est Émilie Delaunay, Lisa Adel Sierra. Pour ceux qui regardaient un peu hein, du porno dans les années 2000, je suis réalisatrice et productrice donc, de films pour adultes. Je me suis lancée dans la pornographie euh, suite à un concours de circonstances. J'ai euh, rencontré dans le cadre de mon activité précédente un couple d'acteurs et d'actrices. Et, euh, et on s'est bien entendu, ils m'ont fait des photos, les photos ont atterri chez euh, Hot Vidéo qui ont voulu faire un sujet sur moi. Et euh, à la sortie de ce sujet, la maison d'Orsay m'a contactée et j'ai fait mon premier tournage euh, en toute désinvolture. <laughs> C'était même plutôt cool, une expérience comme une autre. Et, euh, et j'ai commencé comme ça à accepter des tournages à droite à gauche, plus pour le fun qu'autre chose. Et à un moment donné, Presque au bout de deux ans, euh, j'ai décidé d'en faire mon métier, de devenir une actrice professionnelle. Je n'avais fait que des tournages professionnels, mais de vraiment miser dessus, de ne pas faire autre chose à côté et de m'investir un peu plus. J'ai commencé à 18 ans. En fait, à l'époque, euh, les répercussions sociales étaient euh, moindres, parce qu'on est en 2004, il euh, euh, y a... Euh, Quasiment personne n'a de Facebook, Twitter n'existe pas, Instagram n'existe pas. Euh, si on veut rencontrer une actrice, il faut se présenter en salon de l'érotisme. On fait des films pour du DVD ou pour Canal ⁇ On fait des films. Euh, les, la période euh, Internet a un peu révolutionné mon métier. Euh, J'ai vécu l'arrivée de ce qu'on appelait le Gonzo. Donc une scène pour une scène, qui ne fait pas qui ne fait pas partie d'un film, pour laquelle il n'y a pas de narration particulière. Euh, au début, euh, on différenciait bien les actrices qui faisaient du gonzo de celles qui faisaient des films. Euh, c'était pas le même métier. Il y avait les performeuses et il y avait les actrices X. Et au final, euh, on a tous fait du gonzo, on a tous euh, voyagé à travers le monde. Ça a été le début de la mondialisation du X. Avant ça, la seule qui était partie, c'était Katsuni. Hein. Donc euh, ça a été euh, de révolution en révolution. Et l'impact social, je l'ai senti au final euh, euh, quand j'ai arrêté. Je l'ai senti quand j'ai euh, décidé de faire autre chose de ma vie. Et euh, c'est là que je me suis rendu compte que les gens regardaient beaucoup de pornographie, qu'Internet avait euh, fait rentrer la pornographie chez tout le monde, et pas seulement chez le consommateur qui payait son DVD ou qui louait euh, sa cabine en sex shop. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à avoir des difficultés euh, pour ma réinsertion, on va dire. Euh, mais euh, mais en fait étant euh, dans la rédemption j'ai été plutôt bien accueillie euh, certes jugée bien sûr moralement chacun a ses valeurs hein, c'est normal mais euh, mais euh, comme j'avais arrêté comme je voulais euh, refaire ma vie j'étais plutôt bien acceptée et euh, quand j'ai décidé de devenir productrice et réalisatrice à ce moment-là j'étais à l'école d'infirmière hein, et finalement ça a été euh, super bien reçu parce que les médias aidant, je n'étais plus une actrice X euh, perdue, probablement traumatisée. J'étais une femme d'affaires qui prenait la parole publiquement et qui assumait complètement son parcours. Et donc, vu comme ça, euh, on m'embêtait beaucoup moins. Je ne pense pas qu'on m'ait fermé des portes. Euh Vraiment, il euh, y a eu une période un peu difficile où quand je cherchais un emploi comme aide-soignante, euh, je faisais la période d'essai et on ne me signait pas ensuite. Euh, mon travail est super, l'équipe m'adore, mais vis-à-vis -vis des patients, des familles de patients euh, dans des cliniques, euh, des cliniques privées, notamment à Neuilly, <laughs> c'était pas euh, idéal. Mais vous êtes une super soignante. Euh, l'hôpital public ne m'a jamais rejetée. L'hôpital public m'a toujours donné du travail et m'a toujours poussée à faire plus. Euh, C'est l'hôpital public qui m'a menée à devenir infirmière alors que j'osais à peine prétendre à la fonction d'être soignante, j'osais à peine prétendre à la formation. Et j'ai été poussée par des gens euh, qui croyaient en, 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 mon, en, en mon envie, en, en, en ma... ma ma capacité à, à réussir les concours et à avoir mes, mes diplômes. Donc euh, finalement, non, ça ne m'a pas fermé de portes parce que ça m'en a ouvert d'autres. Euh, par contre, dans la vie personnelle, ça m'a fermé beaucoup de portes. Il euh, y, a, y a des gens qui m'ont jugé et qui me jugeront toujours et qui auront toujours un regard sur moi euh, qui n'aurait pas, euh, pas été le même si je n'avais pas eu ce parcours, qui peuvent, euh, je pense, m'apprécier en tant que personne, dans ma vie quotidienne, en tant que maman, en tant qu'amie, mais qui auront toujours... Euh, cette retenue, ce petit, euh, euh, ce petit changement d'attitude, euh, euh, ces petites questions en suspens. Euh. Là, je viens à Paris pour faire euh, quelques entretiens, euh, euh, notamment euh, en politique, faire quelques interviews. Il euh, y a quelque part la question du Elle va sûrement tourner. Et c'est vrai que c'est un, un, un peu dommage, mais, euh, mais j'ai plus envie de me battre et de me défendre et de, de démontrer le fait que je suis valable en tant que personne, parce qu'au final, c'est pas tant pis pour moi, c'est tant pis pour eux. Il n'y a pas une différence énorme en termes de budget du moment qu'on se situe dans le porno professionnel. Qu'on fasse une vignette, donc du gonzo, ou qu'on fasse un film, les moyens sont mis pour que les tarifs des comédiens soient respectés et jamais négociés pour qu'il euh, y ait des sanitaires, pour qu'il y ait à manger, pour que le transport soit assuré pour qu'il y ait des préservatifs pour que voilà les costumes, la maquilleuse, des caméras de qualité, une équipe technique. Tout est mis en œuvre, que ce soit pour une simple scène ou pour un film euh, qui soit du cinéma de genre. Donc, il n'y a, a pas de différence. Aux yeux du public, est-ce qu'il y a une différence Probablement, euh, parce que déjà, c'est pas le même consommateur. Je pense que le gonzo, c'est quelque chose que les gens n'achètent pas. Euh, c'est quelque chose que les gens vont consommer sur des plateformes type tube, euh, qui n'exercent pas, pas beaucoup de contrôle, euh, alors que le film scénarisé du premier samedi du mois ou euh, chez un diffuseur ancestral, euh, sera, euh, sera quelque chose qu'on achète, euh, dans lequel on se projette un petit peu avec une histoire, avec une comédienne, avec quelque chose qui va réveiller le fantasme et accompagner le désir, et pas simplement, pas simplement une consommation pure et, pure et dure de l'orgasme. Donc ce n'est pas la même, euh, la même clientèle, si je peux dire, et, euh, mais euh, quand on le met en œuvre en tant que professionnel du porno, on met les mêmes moyens. Les deux types de, de pornographie, que ce soit du gonzo ou du film narré, sont valorisants. Parce que d'un côté, on va pouvoir filmer une sexualité euh, plus brute, plus instinctive, euh, plus plus libérée pour les comédiens. Je ne vais pas forcément mettre en scène l'acte en lui-même euh, quand je fais du gonzo. Tiens, voilà, Là, j'avais une série qui s'appelait Lisa M. Euh, Lisa M, les gros seins. J'ai un acteur, une actrice. Voilà, Le thème, vous l'aurez compris, c'est les gros seins. Allez-y, faites-vous plaisir, j'ai besoin de 45 minutes de rush et je les laisse vivre, je me débrouille, je déplace mes lumières, je déplace ma caméra et pour eux c'est une, une, une super liberté et en général ils ont beaucoup plus de plaisir à faire ces scènes-là alors que sur un film... C'est pas ma comédienne qui est en train de s'adonner à un acte intime, c'est mon personnage. Donc, si mon personnage, c'est la première fois qu'elle se fait sodomiser, il va falloir qu'on sente cette appréhension, cette excitation, euh, de la douceur, euh, un, un partenaire qui soit prévenant, parce que c'est ce que je veux montrer d'une première fois. Et donc, c'est pas eux. Eux, euh, si je leur ai dit, allez, c'est sodo, ils ont besoin de 40 secondes et demie pour être en place et y aller direct donc, ce n'est pas la même chose. le plaisir dans, la, dans les films narratifs, c'est pouvoir mettre en scène des choses qui n'existent pas et leur demander de faire des choses qui, so qui sortent de leur personnalité et donc faire un vrai travail de mise en scène, euh, qui, est, qui est super agréable aussi. à ah, la transition, a été douloureuse. <laughs> euh, en fait, je suis venue à la réalisation parce que euh, ma, ma réinsertion dans la vie civile, comme on dit euh, dans le porno, je ne sais pas s'ils disent encore ça, je dois être une vieille conne. À l'époque, on disait les civils et nous, donc euh, je vais garder ce, cette façon de dire les choses. Donc quand j'ai voulu revenir à la vie civile, euh, j'avais euh, euh, presque 30 ans, euh, j'avais un crédit IMO sur les fesses qui était énorme, et, euh, et je ne voulais plus tourner, quoi. Je n'avais plus envie, je, j ai, j ai, du jour au lendemain, je me suis demandé, mais comment j'ai pu faire tout ça C'était génial, je ne regrette rien mais euh, impossible à refaire, quoi. Et, euh, et donc, bah, j'ai cherché un boulot, mais j'avais rien fait d'autre de ma vie, en fait. J'avais des aptitudes et des compétences qui n'étaient pas reconnues. J'avais une aptitude et une compétence à gérer mon budget, à gérer un planning, à gérer mon physique, à gérer des contraintes de décalage horaire, de fiscalité, de papier, de, de tout un tas de choses, euh, de, que, mais qui ne me servaient à rien euh, parce que pas reconnu dans un métier quelconque. Je ne vois pas quel, dans quel métier j'aurais pu appliquer ça et quel patron m'aurait pris sans diplôme en disant oui, tu as 10 ans d'expérience. 10 ans d'expérience en quoi. <laughs> donc, euh, j'ai choisi un métier qui m'exposait peu et, euh, qui, euh, et qui, en plus, collait complètement à ma personnalité euh, très indépendante. Je suis allée faire des ménages et j'ai trouvé ça génial parce que euh, je pense que je suis un petit peu, euh, ouais, voilà, je suis un petit peu voyeuse. Et, euh, et donc, j'avais le plaisir d'avoir les clés des gens, de rentrer chez eux, de nettoyer leur maison en leur absence. <laughs> <laughs> et euh, faire le ménage, c'est un truc que j'adore. Et je mettais la musique à fond, je m'éclatais pendant 3-4 heures chez les gens, et je rentrais chez moi, et ça c'était le taf de rêve, parce que je ne croisais personne, personne ne me jugeait, personne ne me disait quoi faire, quand le faire, comment le faire. Et pour ma réinsertion, c'était idéal. Euh, malheureusement, d'un point de vue de train de vie, ça ne suffisait pas, parce que, euh, bah que j'avais engagé des dépenses euh, qui correspondaient à la paye que j'avais avant. Et donc, euh, je me suis présentée à différentes productions. En leur disant, voilà, moi j'ai une expérience en tant qu'actrice. J'avais eu euh, l'avantage de travailler beaucoup aux États-Unis et à l'Est, ce qui n'était pas le cas des Les réalisateurs et des réalisatrices du moment. Donc je voulais amener cette touche américaine euh, pour la France. Et donc Colmax m'a confié des budgets pour réaliser des séries de gonzo euh, purement à l'américaine. T'arrives, tu t'envoies en, en l'air, tu t'en vas. Hein. On n'allait pas chercher midi à 14h. Et c'était très cool parce que, euh, parce que je faisais quelque chose que je maîtrisais. Dans lequel j'ai pas eu besoin de me casser la tête à me défendre, à me battre, à vouloir faire ma place. J'ai été très bien accueillie, malgré qu'on pense que c'est un milieu d'hommes, six genres, blancs, de 50 ans, qui dirigent toutes ces petites actrices en string c'est faux moi j'ai été hyper bien accueillie en tant que réalisatrice on m'a fait confiance tout de suite on m'a confié une équipe on m'a confié de l'argent on m'a accompagnée on m'a accompagné, tenu la main pour apprendre à gérer mon budget à faire ma direction de production à faire moi-même mon juridique à faire moi-même mes castings et j'en suis venue à vraiment me concentrer sur la mise en scène et à apprendre à gérer tout cet aspect production comme si je l'avais toujours fait c'est même plus une contrainte et du coup ça a été super mais ça a été super dans le temps au début, euh, ça a été un petit peu euh, compliqué. quoi? j'arrivais euh, je ne connaissais rien. je savais juste à quoi ça devait ressembler. <laughs> en fait, j'ai pas eu à gérer euh, l'aspect public de mon métier pendant très longtemps. en fait, pendant très longtemps, si je n'avais pas dit que je faisais de la pornographie, clairement, pas grand monde le savait. Euh, même si, dans le milieu de la pornographie, j'étais euh, une référence à un moment donné, j'étais une performeuse connue qui voyageait partout, qui était très demandée, hors pornographie, je n'étais pas connue euh, du grand public, euh, parce qu'on était à une période où le consommateur lambda n'allait pas se vanter, où les réseaux sociaux ne fonctionnaient pas encore, et donc euh, j'avais la chance d'être un sous-marin, quoi, de, de pouvoir faire ma vie. Il était vraiment extrêmement rare qu'on me reconnaisse, encore plus rare qu'on me le dise. Et euh, j'ai ouvert mon Twitter en 2012, il me semble. Donc déjà de 2004 à 2012, clairement, aucun retour euh, sur ce que je faisais. Je faisais ma vie, j'allais travailler, je rentrais, je sortais avec les copains. Le seul retour, c'était d'être des fois un peu blacklisté, même souvent euh, des crémaillères, des mariages, des baptêmes, des trucs un peu officiels. Voilà, j'étais un peu out de ces trucs-là. Je voyais mes meilleurs potes qui faisaient leur anniversaire avec plein de gens de leur boulot, j'étais pas invitée parce qu'il y avait les gens de leur boulot et que bah, c'est pas idéal de dire que la super copine avec qui on sort constamment, chez qui on squatte, bah, c'est une actrice de, de boule, quoi. Mais hormis ça. Vraiment, j'ai fait ma vie, euh, moi j'ai commencé à ressentir euh, tout ça euh, quand, euh, quand je suis rentrée dans la santé, quand j'ai fait l'école d'aide-soignante, quand j'ai fait l'école d'infirmière, parce que c'est une période où j'ai décidé de m'exposer aussi. On est en 2017 et j'ouvre mon Instagram. Et c'est quand j'ai ouvert Instagram que je me suis rendu compte qu'en fait, depuis toutes ces années, il y avait énormément de gens qui avaient consommé mon contenu, il y avait énormément de gens qui avaient grandi avec moi dans leur sexualité parce que je suis arrivée très jeune et j'ai fait les choses au fur et à mesure. Je suis passée de la nana qui fait des petites scènes vaginales avec un seul partenaire à des gangbangs aux États-Unis hyper assumé parce que j'ai eu besoin de grandir et de m'affirmer et de découvrir ce que j'aimais et tous ces gens ont grandi aussi avec moi et j'ai découvert quand j'ai ouvert Insta en 2017 que j'avais une fan base, qu'il y avait du monde qui m'attendait que j'ai en fait que j'étais euh... Connu et attendu du grand public, mais euh, sur le tard, parce qu'on arrivait à une période où c'était cool d'assumer sa consommation, c'était cool d'en parler, c'était cool de suivre une actrice sur Insta, alors qu'avant ça, euh, pas du tout. Les gens ne se sont pas vantés au début des années 2000 de leur consommation de la pornographie. C'était pas un truc euh, cool, c'était pas un truc euh, glamour. Au contraire, c'était ringard à la mort. quoi. Donc euh, c'est venu hyper tard et c'est venu à un moment où moi, euh, mais en fait, je m'en fichais. En fait, je l'assumais. En fait, c'était bon, quoi. J'avais passé 30 ans, euh, rien à faire. Je pense que plus jeune, si j'avais commencé le porno maintenant et que maintenant, je devais subir les retours sur les réseaux sociaux, clairement, je le vivrais très mal si j'avais 20 ans. Mais aujourd'hui, à quasi 40 ans, ça ne me fait rien, quoi. Et les retours sont positifs parce que, justement, je suis une retraitée, <laughs> entre guillemets. Je ne m'expose plus vraiment. Je fais plus de films. Euh, et il euh, y a une sorte de distance qui se crée parce que je prends la parole, parce que je défends le porno éthique, parce que quand les gens viennent me parler, c'est Madame, j'ai adoré vos films. Madame, c'est dommage que vous, aie, que vous ayez arrêté. Euh, Madame, j'ai regardé vos pornos éthiques. Donc c'est plutôt chouette, quoi. C'est plutôt chouette. J'ai eu des moments où je me suis sentie en danger, bien sûr. Je me suis sentie en danger parce que... Euh, il y a des gens qui, parce qu'ils ont eu accès à mon intimité mise en scène, donc ça n'est pas mon intimité, c'est ce que j'accepte de mettre en scène, euh, qui n'est pas mon désir personnel, ont le sentiment de me connaître, ont le sentiment qu'il n'y que, que a, a pas de frontières à avoir. Euh, des moments, oui, il y a eu des moments désagréables où je me suis sentie mal à l'aise. Je me souviens de quelques événements qui font que j'ai changé mon mode de vie. L'installateur du gaz, le monsieur qui doit ouvrir mon compteur de gaz, qui vient, qui ouvre mon compteur de gaz, qui s'en va. Et bien sûr, pour l'intervention, il avait mon numéro et mon adresse. Il m'avait reconnue. Et j'ai été harcelée pendant de nombreux mois. Il a fallu que je porte plainte. Ce monsieur a perdu son emploi. Et ce pas du tout le but de la manœuvre. Parce qu'un emploi, on en a besoin. Mais en fait... Il y, y a des choses qui dépassent l'entendement, venir, euh, venir éjaculer sur la poignée de ma porte, euh, euh, venir déposer euh, euh, des photos de lui dans ma boîte aux lettres, me suivre, euh, m'accompagner, enfin vraiment m'attendre littéralement en bas de chez moi pour m'accompagner dans mes démarches du quotidien. En fait, je pas envie d'être suivi, j'ai pas besoin de compagnie. Mais c'est normal parce qu'il euh, avait même eu le sentiment dans une de mes scènes en particulier que c'est à lui que je m'adressais. C'est pour ça que par exemple aujourd'hui, je fais très très peu de ce qu'on appelle les joys. Les Jerkov Instructions, parce qu'il faut s'adresser directement à la caméra, directement à quelqu'un, genre Ah, salut, tu vas bien Imagine, nous sommes tous les deux. Parce que je sais que j'ai des gens dans ma communauté qui peuvent prendre ça pour un message personnel et qui peuvent monter euh, vers quelque chose de complètement. Euh, il, 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 enfin, C'est complètement délirant. Euh, on, est, on est dans la pathologie, hein. mais j'ai eu des gens complètement délirants qui étaient persuadés qu'on avait une relation, qui étaient persuadés qu'on qu avait un lien particulier et qui n'ont pas eu de mal à dégoter à la fois mon adresse, mes habitudes de vie, et des choses comme ça. Donc je fais très attention quand je dois avoir quelqu'un qui passe chez moi pour des raisons x ou y, un livreur, un installateur, un... peu importe, ça n'est jamais moi qui ouvre la porte. On ne m'identifie pas chez moi, encore moins maintenant que j'ai des enfants. Les commentaires pendant ma maternité ont été euh, tout bonnement horribles, à vomir, mais ont aussi été à 90% adorables et bienveillants, et pleins de soutien, et pleins d'amour, et... Et, euh, et c'est pendant ma maternité que je me suis rendu compte que j'étais une femme comme les autres. Malgré ces 10% de haine et de. Bah c'est les réseaux sociaux, quoi. Les gens se permettent des choses qui ne se permettraient pas au quotidien. C'est sûrement la même personne qui m'a tenu la porte à la boulangerie, qui après m'a fait un commentaire horrible. En fait, il y, y a une espèce de bipolarité numérique ambiante. Euh, moi, j'en veux à personne. Et, euh, et euh, je crois quand même la première fois où j'ai vu un message, Mais du coup, le père, euh, c'est Danidi ou Manuel Ferrara Sur le coup, j'ai souri. J'ai souri en me disant Ha ha, elle est, elle est drôle, elle est bonne, elle est bien. Évidemment, évidemment, c'est une blague. Mais euh, quand ça s'accumule et qu'en fait, ce n'est pas du tout des blagues, bon, bah. Pff. Que vous dire, bah, potentiellement, dans leur tête, je ne suis probablement pas en mesure d'avoir un compagnon, de tomber amoureuse, de vouloir fonder une famille. Je n'y ai sûrement pas le droit. J'y ai pas le droit parce que dans leur grille de lecture, la femme qui s'envoie en, en l'air avec de nombreux hommes, qui en redemande et qui incarne un fantasme ultime de la femme insatiable euh, qui n'est pas euh, celle qui à côté euh, va euh, faire la lessive, euh, ranger le linge, euh, regarder la télé, avoir des fois les, les ongles pas faits, avoir la tête en vrac le matin. J'incarnais un fantasme, un fantasme parfait, la femme parfaite euh, qui fait des fellations, qui accepte tout, qui adore ça, qui dit oui, 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 qui dit encore, et soudainement finalement, ah oh non, c'est juste une femme. Ben en fait ouais, je suis juste une femme. Et, euh, et au final, euh, moi, ça m'a permis de m'accepter beaucoup plus en tant que justement euh, femme qui a tous les droits. Évidemment, j'ai tous les droits. Et pour ce qui est de mes enfants, je suis plus inquiète d'avoir fait des filles en 2021 et en 2022 euh, que d'avoir fait des filles en étant une actrice X. Parce que de base, ce sont des filles. Donc, euh, je vais avoir beaucoup de travail. Pour que, pour que le monde les, les, les reçoive correctement et qu'elles puissent aller au bout de leurs rêves et de leurs projets et, et qu'elles n'aient pas à se battre. Quoi. Je ne répondrai pas à cette question. Avec ma famille, euh, évidemment, euh, ce n'est pas, euh, pas le choix rêvé. Euh, un père ne se dit pas oh, « trop bien, tu as trouvé ce que tu voulais faire yeah !» Non Surtout pas chez moi. Euh, je viens d'une famille euh, qui, qui travaille... Euh, enfin, on, est, euh, on a un mode de fonctionnement qui est quand même au mérite. Euh, on, on est certes, euh, du côté de mon papa, d'un milieu euh, relativement aisé, mais, euh, mais rien ne tombe dans le bec. On est, on est travailleurs. Euh, moi, je passe ma vie à, à chercher la fierté dans ses yeux. Euh, je passe ma vie à vouloir euh, euh, la reconnaissance de mes parents. Qui, se disent, qui me disent chouette c'est bien ce que t'as fait et donc forcément quand je suis arrivée avec euh, mon histoire de porno c'était pas euh, c'était pas ce qu'ils voulaient <laughs> pour moi euh, mais euh, je viens aussi d'une famille très soudée où on est une grande fratrie et euh, il était hors de question de me laisser tomber il était hors de question de m'exclure donc euh, moi euh, ça s'est plutôt bien passé c'est un non événement ils l'ont su comme ils l'ont su c'est pas moi qui leur a annoncé euh, soudainement, c'était un fait et point, quoi. Et mes parents m'ont jamais laissé tomber. Et j'ai toujours pu échanger avec eux, non pas évidemment du contenu de mes scènes. « Tiens, t'as fait euh, une double annale ?» Non, on n'en est pas là du tout. Ça n'arrivera pas. J'ai beaucoup de pudeur avec mes parents. Je fume toujours pas devant eux, par exemple. Mais... Euh, mais euh, voilà, tiens, euh, je compte faire un investissement de ci, tiens, j'ai monté ma boîte, euh, tiens, je pars en tournage comme coordinatrice d'intimité, euh, ma démarche dans le porno éthique, la charte déontologique, tout ce travail que j'ai mené, mes parents en sont très fiers. Euh, et ils sont très fiers de mon parcours parce qu'ils ont en tête que la pornographie, c'est un milieu malsain, où on tombe dans la drogue, où on a forcément vécu des traumas. Ils ne comprenaient pas ce que je faisais là-dedans parce que j'ai eu une enfance. Euh, Correcte, euh, où euh, on a répondu à mes besoins, euh, où euh, j'étais quand même destinée à de grandes écoles comme mes frères et sœurs, à une carrière en bac plus neuf probablement. Et non, en fait, moi je me suis barrée à 16 ans, j'avais envie de tout autre chose. Euh, et euh, au final, de voir que j'en ai fait un business, que pour moi c'était ma bulle et. Euh, et, et euh, j'ai plutôt bien fait travailler ma bulle, et aujourd'hui je ne manque de rien. Et euh, je, peux, euh, je peux filer un coup de pouce à, à des membres de ma famille, je suis présente dans les grands événements, je peux. Euh, voilà. Mes enfants auront, euh, auront le choix de faire ce qu'ils veulent dans la vie parce que je m'en donne les moyens. Au final, il y a une sorte de fierté quand même. Mon métier a posé problème dans des relations avec les hommes, mais pas comme on se l'imagine. Euh, J'ai rencontré des mecs qui n'investissaient pas du tout la relation euh, euh, parce que je faisais du porno ou pas, mais en fait, comme c'est le cas pour de nombreuses jeunes femmes euh, qui mettent un peu plus que leur partenaire dans une relation et, euh, et qui se font ken littéralement. Et puis au final, euh, mais ça arrive tous les jours à toutes les femmes, qu'elles fassent du X ou pas. Euh, on ne saurait que trop dire de ne surtout pas écarter les cuisses avant d'avoir soit la bague au doigt, soit un truc bien béton, plein d'amour. Évidemment que si, euh, moi j'étais du genre à, à montrer mon affection par le physique, euh, et, euh, et ça a été une erreur, mais comme c'est l'erreur de nombreuses jeunes filles, qu'on fasse du X ou pas, euh, on existe par le désir de l'autre, alors qu'en fait, pas du tout. On existe parce, qu on, parce que justement, on a le pouvoir de, 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 de garder ce désir, de le faire vivre, et de ne pas y répondre tout de suite. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. On apprend en grandissant. Ça ne m'a pas gênée euh, avec les hommes que j'ai voulu. <laughs> Parce qu'au final, je pense que euh, ça n'enlève en rien euh, le fait qu'on qu soit des, bah, des, des femmes, quoi, des, des êtres humains, des, des personnes dignes d'amour, des, des personnes valables, des personnes de confiance. Là où ça peut poser question, euh, à la rigueur, c'est... Euh, à l'autre euh, sa place en tant qu'homme, euh, comment je vais donner du plaisir à cette femme euh, qui a eu des partenaires, qui a déjà euh, tout vécu, qui a déjà assouvi l'ensemble de ses fantasmes. Et, et c'est là qu'est l'erreur, parce que c'est faux. On a pratiqué un métier qui n'est pas forcément en relation avec notre intime. Il y a beaucoup d'actrices qui mettent en scène beaucoup de choses qu'elles avaient super envie de faire et qui prennent grave leurs pieds. et ce n'est pas du tout mon mode de fonctionnement. Sur 10 actrices, vous aurez 10 parcours différents, 10 façons de le gérer dix façons de le vivre, moi en l'occurrence, je n'ai pas fait dans la pornographie ce qui était moi. Et, euh, et du coup, quand je rencontrais des hommes, ou un homme avec qui j'avais envie d'avoir une histoire, avec qui j'avais envie de, de, de construire, d'être de, amoureux, de, de s'installer, de se projeter, de se faire confiance, et que je voyais la, la peine et l'ego et, et la difficulté de se positionner en tant que mâle euh, auprès de moi, j'en souffrais parce qu'en fait... Euh, j'ai pas fait dans les films ce que j'ai envie qu'on fasse, nous. Et c'est pas parce que euh, tu m'as vu avec euh, des trucs de 45 cm que toi, tu sauras pas me donner du plaisir avec euh, ton truc average, quoi, tu vois. Je pense que la pornographie éthique, c'est un porno qui, qui propose des conditions de travail euh, correctes, euh, qui propose un, un contrôle euh, des comédiens sur leur image euh, et qui met en scène tout le monde et euh, toutes sortes de situations, et pas seulement ce qui plaira euh, aux consommateurs de 55 ans, euh, blancs, cisgenres, mariés, euh, qui payent, euh, qui a peut-être envie de voir euh, des petites nanas euh, blondinettes euh, qui ont l'air d'avoir euh, 20 ans euh, toute leur vie. Euh, voilà, c'est une pornographie euh, plurielle, c'est une pornographie euh, qui met en scène tout le monde, euh, qui, qui les met en scène bien, et qui respecte les corps, et qui respecte le choix. De chacun et, et qui, qui prône le consentement. Euh, une actrice peut avoir fait euh, des trucs incroyables physiquement euh, et euh, arriver sur mon tournage et dire aujourd'hui, euh, j'ai pas envie euh, de faire une énorme performance, bah, c'est super, c'est cool. On ne fait pas une grosse performance, c'est bien. Et pour moi, ça, c'est éthique. Et une actrice peut me dire, ah oh là là, euh, j'ai la flemme, je ne m'épilerai pas sous les bras, bah, c'est bien, on fait comme tu veux. <laughs> pour moi, l'éthique, ça, ça englobe surtout le respect de l'autre. Et de ce qu'il veut. Et quand je dis l'autre, je dis les gens qu'on confine, qu quoi, les gens qui, qui nous autorisent à, à, à capturer leur image, parce que c'est pas rien. Pas Couse. du tout. Je suis pas du tout féministe. Si je me revendique féministe, elles vont me désinguer. Je suis euh, la femme au foyer euh, euh, numéro un moi je ne je, je supporte pas qu'on qu touche à ma maison mon mec a le malheur de faire la poussière, je lui tombe dessus parce que c'est pas fait comme j'aurais voulu. Je suis absolument pas féministe. Je m'occupe de mes enfants 24 heures sur 24 parce que je veux pas de mode de garde je nettoie constamment, je cuisine tout je, je suis hyper soumise il euh, y a pas de non non mais elle me, elle me buterait si je disais que je suis féministe c'est mort. Probablement, mais jusqu'à présent, elles ont été relativement abolitionnistes euh, de la pornographie. Et elles ont décidé que c'était un féminisme à double vitesse et que je n'étais pas une femme suffisamment valable euh, pour intégrer leur idée du féminisme. Donc, euh, parce que j'ai fait de la pornographie, ou parce que je suis maintenant productrice, ou parce que je défends ce métier qui, pour moi, n'est pas annihilant, c'est pas. Enfin, je veux dire, en fait, c'est pas. Euh, c'est pas un métier euh, qui, qui, qui aliénise. Au contraire, on peut tout à fait s'épanouir et ça donne de grandes chances dans la vie. Moi, si j'ai pu faire des études, si j'ai pu m'intéresser à plein de choses, si j'ai pu voyager, si j'ai pu rencontrer des, des gens dans la politique, dans l'art, dans la musique, dans le cinéma, c'est parce que j'ai fait du porno. Ça m'a poussée aussi à, à, à m'ouvrir au monde. Et ça, c'est quelque chose que les féministes n'envisagent pas. J'ai fait du porno, donc je suis soumise à ce consommateur de 52 ans et demi blanc. Faux. Je suis soumise à mon mec, certes. Alors déjà, mime et only fan, ça n'est pas de la pornographie. Euh, ce sont des créateurs de contenu. Allez dire à toutes ces petites nanas qui sortent leur nichou là et leurs pieds et, et leur vulve, qu'elles font de la pornographie, elles vont sauter au plafond. Moi, j'estime que c'est de la pornographie. J'estime que c'est de la pornographie parce que du moment qu'on qu montre son intimité, euh, que c'est quelque chose qui, 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 qui est de l'ordre de la sexualité, c'est de la pornographie. Parce que pour moi, la, la définition de la pornographie, c'est contenu qui génère un fantasme, qui génère du désir. Donc c'est de la pornographie. Qu'elle le fasse avec ou sans partenaire, peu importe. Euh, moi, j'ai débuté sur OnlyFans en 2017, donc quand ça a ouvert, j'ai eu un petit tips d'une collègue américaine. M'a dit Emilie, fonce. Donc j'ai ouvert un OnlyFans. J'ai été euh, littéralement euh, euh, sur le cul <laughs> de, de l'explosion de mon compte euh, alors que je n'avais pas tourné depuis 2013. Alors effectivement, j'ai la chance d'avoir eu un nom avant dans les consommateurs de, de la sexualité. Euh, je n'avais pas tourné depuis 2013 et d'arriver avec du contenu sexy, euh, euh, somme toute très bateau, parce que régulièrement je me contente de fumer des cigarettes à poil. Euh, j'ai trouvé ça assez fou euh, et à la fois effrayant. Parce que je me suis dit, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc où en gros n'importe qui peut ouvrir un compte et poster des photos de lui Est-ce que les gens vont se rendre compte que c'est comme faire du porno Tu t'exposes tu sur Internet. Les conséquences seront les mêmes. Et la paye sera moindre et tu n'as pas de contrat pour te protéger, et euh, si tu vois des partenaires, il n'y a pas forcément de test en santé, et il euh, y a personne qui contrôle, il n'y a pas un directeur de production. -dire, tu as contacté un autre créateur de contenu, tiens, on va se retrouver à tel endroit, on fait un contenu ensemble. Cool, en soi, super, mais euh, en fait, qui te dit qu'il va être tout seul Qui te dit que tu ne vas pas arriver, ils sont 15 dans la chambre, et euh, c'est n'importe quoi Qui te dit que tu vas même récupérer la vidéo en question Qui te dit que tu pourras l'exploiter, et que l'autre va pas l'exploiter 15 fois plus que toi Enfin, pour moi, il y a une absence de contrôle qui fait que c'est quand même très effrayant. Et, euh, et surtout le fait que toutes les femmes qui s'exhibent sur ces plateformes n'ont pas conscience qu'elles font de la pornographie. Alors certes, la plupart n'en tirent un revenu que très maigre. Euh, c'est vraiment une activité euh, parallèle et très peu en ont fait leur métier. Euh, mais, euh, mais justement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Quoi. Clairement. Euh les conséquences, elles sont énormissimes au quotidien. Il est absolument impossible d'être anonyme sur ces plateformes parce que pour créer son compte, il faut présenter son visage, il faut présenter sa pièce d'identité. Et euh, pour pouvoir récupérer l'argent, il faut posséder un compte en banque. Et en plus, aujourd'hui, notamment sur OnlyFans, je ne sais pas pour Mime, mais OnlyFans c'est certain, Mime je ne crois pas malheureusement, on peut même plus poster un contenu avec un ou une partenaire sans identifier la personne et télécharger un contrat et une pièce d'identité. Donc, non, on ne peut pas faire du contenu en étant anonyme. Il euh, y a eu des exceptions sur des plateformes qui sont aujourd'hui complètement illégales en France, euh, les tubes, où il y a eu des Léo et Lulu qui, finalement, ont quand même prouvé leur, leur identité auprès de la plateforme, mais qui ont décidé de rester anonymes. Aujourd'hui, non. Enfin, sur Mime et OnlyFans, il n'est pas possible de rester euh, anonyme. Il faut une pièce d'identité pour ouvrir sa page. Ah mais il faut faire la promotion de ce qu'on fait. Il n'y a aucun intérêt à avoir une page mime OnlyFans si on n'en parle pas sur ces réseaux. Plus on a du monde sur les réseaux, plus on aura du monde en abonnés. Le taux d'engagement pour les mimeuses et les OnlyFans euh, est d'à peu près 4%, ce qui est énorme. On est quand même très fort parce que sur Instagram, on ne peut absolument pas montrer ce qu'on va vendre. Et donc, on arrive à vendre à hauteur de 4% quelque chose qu'on ne montre pas. Donc on est quand même euh, plutôt balèze, euh, mais il faut, euh, il faut, il faut, il faut publier, il faut montrer, il faut partager avec d'autres créateurs de contenu, il faut faire des collaborations, il faut, il y, y a quand même quelque chose de très professionnel là-dedans. Ouvrir sa page dans son coin et poster ses fesses sans en parler nulle part, sans avoir un compte Insta ou un compte Twitter, ça ne sert à rien. Ah bah il y a beaucoup, beaucoup de grosses différences, ça n'a rien à voir. Euh, un film euh, pornographique. C'est un budget qui va de 50 à 150 000 euros pour un film. Donc ça n'a rien à voir avec une vidéo qu'on fait chez soi avec son smartphone sur un pied à 20 balles d'Amazon. Euh, enfin, non, ça n'a absolument rien à voir. Rien du tout. Enfin, les deux contenus n'ont aucun point commun, hormis qu'à un moment donné, on verra une vulve. Quoi. Il n'y a oui. pas forcément un travail derrière. Enfin, pour avoir une page moi-même euh, et voir ce que font mes collègues, euh, tu postes ton téléphone sur un pied, euh, salut c'est bidules, euh, ah là là, on va se raconter une petite histoire coquine aujourd'hui, et pas la et pas la la, et pouloulou. 4, la moyenne de durée des vidéos, elle est de 3 à 5 minutes. Bon, la moyenne d'une branlette, c'est de 3 à 5 minutes aussi, hein, donc on est dans les temps. Hein. Mais un film dure 2 à 3 heures, euh, avec des scènes de sexe qui sont quand même mises en scène, avec des lumières, avec une équipe technique de 10 personnes derrière, des caméras, des... Enfin, une personne qui nous fait à manger, une personne qui fait les runs, une coordinatrice d'intimité, une maquilleuse, une coiffeuse, une styliste, un directeur de production. Ça n'est absolument pas la même chose. Il y a une désacralisation de tout. Que ce soit l'intime, la santé, la nourriture, tout est extrêmement immédiat, facile d'accès. Si on n'arrive pas à obtenir quelque chose en moins de 8 à 10 minutes, on n'est pas bien. Si le Uber a plus de 5 minutes avant d'arriver, c'est trop. Si le porno a plus de 5 minutes avant d'arriver, c'est trop. Moi, la dernière fois, il n'y a pas si longtemps, j'étais à la Food, euh, food Society. Là. Il faut se créer un compte et machin, rentrer son mail pour passer commande. Je suis sortie, j'ai commandé sur Uber. C'est trop long. Et c'est pareil pour tout. La santé, tout. Donc ça n'a ça pas simplement désacraliser la sexualité. Tout est dans la consommation euh, instantanée. Absolument tout. Le porno ne fait que suivre le mouvement. Mais ça nuit aux gens avant de nuire au porno. Ça ne nuit pas au porno. Nous, le porno, qu'on le fasse pour qu'il consomme dans les 30 secondes où il l'a trouvé, ou qu'il consomme le samedi soir en ayant prévu son truc, enregistré, pris sa soirée, c'est exactement pareil. Ça ne change rien. Ça change quelque chose pour le consommateur. Le consommateur qui ne prend plus le temps de construire son fantasme, de projeter son désir, d'essayer tout seul. Juste tout seul. Si tu as envie de te masturber, as-tu essayé tout seul Sans un stimuli visuel sans quelque chose qui, qui te répond tout de suite à ton besoin As-tu essayé de fantasmer As-tu essayé de te créer une histoire Tout ce qu'on a fait toute notre vie, nous les gens qui ont quasiment 40 ans, pour générer un désir, une érection ou un orgasme. Le jeune d'aujourd'hui qui a 20 ans, je pense qu'il serait bien en peine si on lui disait tu es tout seul dans ton lit le soir sans rien, pas ton téléphone, rien du tout. Vas-y, masturbe-toi. Donc c'est à eux que ça fait du mal en premier c'est bien pour ça que je milite fortement pour la fermeture des tubes. Parce que ça n'a aucun sens. Parce que ça n'est même plus de la sexualité, tout ça. En tout cas, fermez ceux qui ne respectent pas la loi. Au moins la loi d'accès vis-à-vis des mineurs. Et ce sera un bon début. Ça permettrait déjà à tous les mineurs qui consomment, alors qu'ils n'ont pas la construction intellectuelle nécessaire euh, à comprendre que c'est du cinéma, que c'est de la mise en scène, que ça ne correspond pas à la vraie vie et que ça n'est pas idéal, au-delà de leur apprendre que bah, tu peux tout à fait faire ça tout seul et te découvrir d'une autre manière avec une partenaire, avec un partenaire dans le cadre de l'intime, dans le cadre du rendez-vous galant, dans, dans plein d'autres cadres que toi seul devant ton 15 pouces, là. Donc ce sera déjà pas mal, mais euh, je pense que la démarche d'aller payer son porno... Euh, pour le mater euh, tranquillou, parce qu'on aime une actrice, parce qu'on aime le thème. J'en sais rien, ça peut être sur. Euh... Là, j'ai fait un film qui s'appelle Ménage à Trois. Ah, j'adore le thème de l'infidélité. Ça m'excite un petit peu. Je suis un peu candoliste, j'aimerais bien imaginer ma femme avec quelqu'un. J'attends samedi soir et je vais consommer ce film sur Canal. On est sur autre chose que. Putain, j'ai cinq minutes à perdre. Je vais me pignoler. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les gens se masturbent pour passer le temps. C'est dramatique. Et de tout temps et à jamais, l'image a influé la sexualité des gens. Que ce soit à l'époque des, des, des Égyptiens qui en faisaient des dessins, euh, que regardaient les femmes et qui essayaient de reproduire ça parce que la reine bidule avait fait ça. Donc on en a fait un dessin, Déjà, il faisait l'amour en public, euh, on avait fait tel truc. Enfin, de tout temps et à jamais, la sexualité a été un, était un, une espèce, était pyramidale quelque part. Parce que les uns faisaient ci, les autres faisaient là et les autres faisaient là. Et, et bien évidemment. Mais il y a quelque chose quand même de, de, de très naturel et de très instinctif, puisqu'on doit faire l'amour pour se reproduire, de toute façon. Mais on n'est pas dans une société où on fait l'amour pour se reproduire. On fait l'amour pour prendre du plaisir. On fait l'amour pour partager. On fait l'amour parce qu'on s'aime, parce qu'on se désire, parce qu'à l'instant T, euh, je viens de te rencontrer, mais il y a quelque chose de très puissant entre nous. Et, euh, et ça n'a rien à voir avec euh, je me masturbe parce que euh, j'ai rendez-vous dans huit minutes et là j'ai le temps. J'ai pas particulièrement envie. D'un acte sexuel. Mais qu'est-ce que je peux faire pendant huit minutes bah, Je vais aller mettre un porno, je vais me masturber. C'est catastrophique. C'est une société qui, qui respecte énormément le droit à la vie privée et qui n'a pas envie de s'immiscer dans les ménages. Le législateur ne veut pas rentrer chez les gens. Mais le législateur, à un moment donné, va devoir prendre les choses en main s'il ne souhaite pas rentrer chez les gens, certes, mais va devoir prendre les choses en main pour protéger les acteurs et les actrices qui ont décidé d'en faire leur métier, qui ont décidé de se mettre en scène et qui ont droit. Comme le tout un chacun, quand ils font leur métier, d'être protégés, d'être professionnels, d'être accompagnés, d'avoir des agents, d'avoir euh, des contrats, d'avoir un statut légal clair inscrit au code du travail. Parce qu'on ne peut plus continuer de nier la profession. Parce qu'en niant la profession, on laisse la porte ouverte aux amateurs, on laisse la porte ouverte à des affaires Jackie et Michel, à des affaires French boucaquet on laisse la porte ouverte à ce que des jeunes filles qui auraient envie de s'exhiber, qui auraient cette envie sexuelle, intime, auquel elles ont droit, on a le droit de faire de la pornographie, ça n'est pas illégal, de se retrouver chez des gars graveleux, dégueulasses, qui vont faire de la merde et qui ne respectent pas la loi et qui vont abuser de leur confiance. Et elles vont devenir des victimes, alors qu'elles auraient pu devenir des professionnelles et s'épanouir et devenir des femmes accomplies, qui ont accompli des choses et qui avaient envie de le faire et qui l'assument complètement. Donc, on ne veut pas rentrer chez les gens, mais on n'aura pas le choix. À un moment donné, il va falloir qu'ils qu y aillent. Quoi. Mais pas du tout, personne n'est avisé à la surconsommation. Personne n'est avisé à la surconsommation. Quand on voit que ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, c'est Thérèse Argo ou Frère Paul, Adrien. Les jeunes se disent j'ai envie d'être entendu par ni l'un ni l'autre sur ma consommation de pornographie. L'une est une néopuritaine catholique euh, qui estime que le porno c'est le diable, euh, que les actrices éthiques c'est sûrement une illusion. L'autre dit que la masturbation est une maladie. À un moment donné, euh, quand on est en surconsommation, on n'a pas d'interlocuteur. On n'a pas d'interlocuteur. Les seuls Aujourd'hui, qui mettent le haut là sur la surconsommation, sur les tubes, sur le fait que le porno est accessible à tout le monde, que c'est un problème, c'est les gens du porno. Clairement. Et euh, évidemment, les professionnels de l'enfance, parce que c'est quand même leur métier de protéger nos jeunes. Mais euh, je veux dire, euh, à, part, à part stigmatiser et culpabiliser les gens, on ne sait pas faire grand-chose. Donc moi, je pense, et je, je suis sûrement, peut-être que je suis dans le faux, hein, que, que l'éducation... A une part à jouer énorme. Et ça suffit d'expliquer aux jeunes qu'en mettant papa dans maman, euh, l'ovule, le 14e jour du mois, euh, va faire un petit bébé euh, dans neuf mois. Stop. Aujourd'hui, la sexualité, c'est plus ça. Ça, les jeunes, ils le savent. Ils mettent des préservatifs, ils prennent la pilule à douze piges. Ok, cool. La reproduction en tant que telle, ça va, c'est pris en main. Par contre, le consentement, euh, les écrans, le numérique, euh, la pornographie, les images sur lesquelles ils vont pouvoir tomber, le genre, euh, tout ça, on n'a pas encore su comment l'aborder avec nos enfants. Et je dis nos enfants, je dis même pas les jeunes, hein, je dis nos enfants. Et, et, et je me sens hyper concernée par plein de choses, déjà parce que je suis maman, euh, parce que, euh, que j'ai. Enfin, je vois ces, ces jeunes qui me, qui me contactent euh, 14 piges, je consomme pas de porno, mes potes se foutent un peu de ma gueule, est-ce que j'ai un problème Mais ben enfin, comment on peut en venir là à se dire j'ai un problème parce que je ne consomme pas. On est parti à, à, dans un truc, ça va beaucoup trop loin. Au contraire, tu n'as aucun problème, tu es tu as un imaginaire, tu es en mesure de, de, de créer tes fantasmes, tu es en mesure de d'avoir de, ta petite découverte tout seul comme un grand, sans avoir recours à des images instantanées qui sont loin du réel et pour lesquelles à ton âge tu n'as pas la grille de lecture. Non, je ne me vois pas être coach de vie, j'essaie déjà de mener la mienne. C'est pas mal. Euh, en plus de ça, je suis infirmière, donc euh, je, je... c'est beaucoup d'énergie euh, d'être. Euh, euh, faire un soin, poser une perfusion, faire un pansement, au final, euh, c'est de la technique pure et dure. Accompagner les gens, être là, et c'est quelque chose que j'ai découvert avec le Covid. Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'étais une mauvaise soignante parce que je n'étais pas là pour mes patients. J'étais là pour mes soins, j'étais là pour mon tour, j'étais là pour mes médicaments, j'étais là pour les actes attendus euh, co codés euh, par la T2A la nouvelle tarification à l'acte de la sécurité sociale, mais que le temps passé, l'investissement humain, le sentiment qu'on met dans nos regards euh, n'était pas coté, mais était nécessaire. Et ça me coûte déjà beaucoup. Donc euh, je compte sur l'éducation nationale, je compte sur le ministère de la Santé, je compte sur les parents, je compte sur euh, l'ARCOM euh, pour euh, faire le job. En fait, je n'ai pas le sentiment d'avoir vécu... Euh, des choses incroyablement malsaines, méchantes, mauvaises. Euh, J'ai beaucoup souffert de, de l'ignorance. J'ai beaucoup souffert de, de, de l'humiliation du fait de pas me le manque de considération en tant que femme, d'être à part, d'être une demi-femme, d'être des fois une demi-fille ou une demi-sœur ou une demi-compagne plus que, que vraiment euh, euh, mon métier en lui-même. Cette petite astérix qui est à côté de mon prénom euh, constamment euh, ou à côté de ma tête, euh, c'est quelque chose qui m'a été euh, difficile. Parce que, bah, parce que je viens d'un milieu où on, 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 on est reconnu au mérite dans ma famille. Et donc, euh, euh, d'être peut-être des fois à la moins méritante ou euh, euh, que, que ça s'étende à toutes mes relations sociales, ça a été difficile. Je suis venue d'un milieu où on s'aime, quoi qu'il arrive, et tu peux être euh, nul à chier et faire rien de ta vie, t'es quand même génial. Peut-être que j'en aurais moins souffert. Mais euh, j'ai beaucoup souffert de cette forme d'injustice euh, qui est que je dois travailler deux fois plus que les autres euh, au quotidien. Je dois être deux fois plus une bonne mère parce que, euh, que j'ai une peur bleue qu'on m'enlève mes enfants à cause de mon passé. Euh, je dois être deux fois plus une meilleure infirmière auprès de mes patients parce que j'ai une peur bleue qu'on puisse me reprocher quelque chose euh, par rapport à mon passé. Euh, je dois être deux fois plus une meilleure fille pour mes parents parce que... Euh, parce qu'à un moment donné, j'ai pas été à la hauteur de leurs attentes. Donc, c'est plus ça. Le pire moment de ma vie, c'est un peu toute ma vie, du coup. Euh, professionnellement, le meilleur moment de ma vie, euh, quand je me suis pointée euh, chez Canal, avec euh, le scénario de journal d'une débutante, et qui m'a dit bah, On l'achète Qui te produit Et que j'ai répondu Moi. Et que il bah, fallait que je monte une boîte. J'en avais pas. <laughs> Ça a été le, quand même l'élément déclencheur de beaucoup de choses dans la suite de mon parcours. Où en fait, en une demi-seconde, je n'ai vu personne dans tous les producteurs que je connaissais qui me laisserait la, la liberté de, de réaliser ce film comme je le souhaitais. C'était quand même un peu l'histoire de ma vie. C'était moi que je mettais en scène dans mon parcours, dans mon vécu, dans mes rencontres et dans pourquoi j'aimais tant la pornographie et, et j'aimais tant avoir été une actrice. Il n'était pas question que, que je le fasse avec un producteur. Et donc ce petit oui euh, au directeur des programmes euh, euh, qui, qui m'a valu quelques nuits blanches après, <laughs> ça a été un très beau moment professionnel. J'aimerais, euh, en tant que coordinatrice d'intimité, puisque c'est un métier que j'ai voulu dans la pornographie, que j'ai inscrit à la charte déontologique, que, que j'ai poussé à être contractualisée par les plus grands diffuseurs en France, euh, J'aimerais qu'on puisse être transversal, que nos coordinatrices d'intimité euh, puissent aller dans le cinéma traditionnel et inversement que les coordinatrices d'intimité du cinéma traditionnel puissent euh, venir travailler sur les films pornographiques parce que je pense que c'est un métier euh, euh, qui a le mérite d'appartenir au cinéma, qu'il soit de genre ou pas, et, euh, et qu'on peut travailler ensemble et montrer que l'exception française du porno, de la pornographie narrée, de la pornographie mise en scène, euh, c'est du cinéma.